Faire un hors-sujet, c'est être hors du sujet, c'est-à-dire avoir répondu autre chose que ce qui était demandé par le professeur. C'est un peu comme si au restaurant, tu commandais une pizza et que le serveur t'apportait un hamburger. Même si le hamburger est délicieux, ça ne sera jamais une pizza. Eh bien, il en est de même pour ton travail, même s'il est bien écrit, bien construit, avec l'utilisation des exemples, comme on te l'a demandé, s'il ne répond pas au sujet, il ne convient pas à ce qui était demandé. Le sujet est une demande précise qui fait partie d'un thème plus large, en général un chapitre ou une séquence. Il faut donc uniquement traiter ce qui est demandé dans le sujet et éviter les notions qui peuvent faire partie du chapitre ou de la séquence, mais qui ne sont pas demandées dans le sujet. Il faut donc passer par une lecture attentive du sujet et réfléchir à ses contours, à ses bornes. On va essayer de déterminer ces bornes dans le temps, ces bornes dans l'espace et dans les notions qui sont concernées par le sujet. Cela peut passer aussi par la réflexion autour d'une problématique, une question qui va permettre de traiter le sujet en y répondant de façon précise. Si ce que tu écris n'a plus rien à voir avec les bornes délimitées dans le sujet et la problématique que tu as fixée, c'est que tu es en train de faire un hors-sujet. Il faut donc faire marche arrière.